Tu n'es pas dans la maison de Dieu pour être perdu, s'il te plaît. Tu dois comprendre une chose. La gloire de Dieu, amen, lorsqu'elle est dans la vie des enfants de Dieu, alléluia, elle a dit des chiens et des chiens. C'est pour ça que la Bible dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Toi qui dis que Jésus-Christ est ton Seigneur, amen, Dieu veut que tu saches une chose. Tu es très important à ses yeux. Parce que toi, tu viens t'asseoir pour entendre la parole de Dieu. Amen. Tu veux que ta vie soit améliorée, soit proche de l'éternel Dieu. Amen. Tu es aux yeux de l'éternel Dieu, tu es important à ses yeux. Mais, tu dois être converti. Quand on dit que tu es enfant de Dieu, amen, il faut regarder d'abord si tu es converti. Parce que tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Alléluia. En cachette, tu fais des choses maléfiques. Et quand on te voit, on dit élever les mains, adorer Dieu, tu es là, tu adores Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un contemplateur. C'est tout. Un enfant de l'éternel Dieu, c'est une personne chère aux yeux de l'éternel Dieu, parce que cette personne porte en elle une partie de son trésor. Tu as ce don en toi pour aider en partie le monde, pour leur bien-être. Si toi tu es créateur d'entreprise, tu ne vas pas employer les gens. Tu as vu, c'est ça. Le diable amène que tu sois païen. Que tu sois créé, vous tous, il ne vous aime pas. Et nous ne vous aimons pas. Amen, amen. Dieu a déposé en nous une partie de son trésor. C'est pour ça qu'il dit quoi? Mon don est irrévocable. Quand Dieu te donne là, il t'arrache. Satan sait ça, il ne t'arrache pas. Satan amène pour que tu ne l'utilises pas. Pour que tu n'utilises pas le don de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à faire une pitbull avec toi. Il va mettre des chiens. Une chienne à côté de toi pour que toi tu vendes une partie du trésor que tu as reçu. Ça pousse la gamelle, la chienne ou le chien va te poursuivre.